La force de la SADC en pleine opération dans l'est du pays a une mission offensive, c'est ce qu'a affirmé son commandant, levant ainsi tout équivoque. Au Togo, adopté avec 87 voix sur 87 à l'Assemblée, la nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. En réaction, l'opposition dénonce une démarche visant à pérenniser le système. En culture, l'artiste chanteur congolais de la RDC, Ferigola, a livré un grand concert samedi soir dans la salle Adidas Arena de Paris, devant plus de 9000 personnes. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La mission de la SADC en RDC, Samedi Arsi, a été déployée depuis décembre 2023 dans la province du Nord Kivu, en succession de la force régionale de l'East African Community, jugée inefficace dans la neutralisation des groupes armés, dont principalement les terroristes du M23. Depuis son arrivée, des spéculations ne cessent de prendre place autour de sa mission. Le commandant de cette opération, Momoabisi Diakotou, a tenu à apporter des précisions claires sur la présence des forces de différents pays de la SADC en République démocratique du Congo, affirmant qu'elles ont bel et bien une mission offensive. Je vous propose de l'écouter. La SAMI DRC est déployée avec un mandat offensif visant à soutenir la République démocratique du Congo pour neutraliser les forces négatives et les groupes armés illégaux dans l'est de la RDC afin de rétablir et de maintenir la paix et la sécurité et de créer un environnement sûr. La SAMI DRC apporte également un soutien aux forces armées de la RDC en collaborant avec elles sur le plan aérien et maritime pour renforcer leur capacité opérationnelle militaire. Dans l'exécution de ce mandat, la SAMI DRC coopère étroitement avec les forces armées de la RDC dans les opérations, la logistique et la formation. Cette collaboration vise à garantir des actions offensives robustes pour neutraliser les groupes armées illégaux et contribuer à éliminer la menace qu'ils représentent pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. L'opposition parlementaire s'est accordée pour confier au parti politique Ensemble pour la République l'unique poste lui attribué au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Ce poste est celui de rapporteur adjoint. C'était à l'issue de la réunion de concertation de l'opposition parlementaire tenue samedi. Procès verbal de la réunion de concertation de l'opposition parlementaire. En date du samedi 20 avril 2024, il s'est tenu dans la salle des banquets du Palais du Peuple une réunion de concertation parlementaire composée des partis et regroupements politiques dont la configuration ci-dessous. Ensemble pour la République, 18 députés. Avançons MS, 6 députés. Nouvel Élan, 3 députés. DIPRO, 2 députés. LGD, 1 député. À l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit. Le poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale est confié à Ensemble pour la République. Compte tenu du poids numérique dans l'opposition, soit 60%. Par la suite, les responsabilités aux autres postes seront confiées en priorité aux autres regroupements et partis politiques de l'opposition. Il convient de souligner que le délégué du regroupement DIPRO a mentionné l'absence de son président qui n'a pu joindre. Toutefois, il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité de l'opposition dans la prise de position. De ce fait, est retenu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, le candidat député à désigner par Ensemble pour la République. Et puis lors d'une plénière présidée par le premier secrétaire du bureau d'âge, Daniel Ihili, les députés provinciaux ont procédé à l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec 23 voix sur 43 votants. C'est Lévi Mbouta, député provincial de la circonscription de Kimbanseke, qui a été élu président du bureau.
Après les refus d'organiser les élections du bureau définitif à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par les bureaux d'âge, les députés provinciaux se sont pris en charge et ont demandé au secrétaire général de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de passer à la vitesse supérieure pour organiser les élections et l'installation du bureau. Car, dit-il, la province ne peut pas se soumettre à la décision d'une seule personne, à savoir M. Mbokoso. C'est dans une atmosphère un peu tendue que le secrétaire général a exercé son pouvoir et a tenu à l'installation du bureau. Le vice-président, mêmement, l'honorable Signamant, a obtenu 43 voix sur les 43 voix exprimées. Après cet exercice, le bureau de l'Assemblée provinciale fait peau neuve. À la présidence, M. Lévi Mbouta. Vice-présidence, Madame Germaine Chinyama de Arep, la seule femme qui compte redorer l'image de la femme et aussi de la ville de Kinshasa. J'ai un sentiment de joie, vraiment de très grande joie, du fait que Arep aujourd'hui a un siège au bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Madame Germaine Chinyama a été élue. Rapporteur Congolo Congolo André et rapporteur adjoint Samba Molele et questeur Socrate Moubengaï. Le ticket Union Sacrée est respecté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La question est celle de savoir comment l'actuel bureau devra-t-il travailler en harmonie avec les futurs gouverneurs, quand on sait qu'avant ce bureau, il y avait une brouille entre le gouverneur sortant Jean-Tiny Ngobila et le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, ce qui avait perturbé la bonne marche de la ville-province de Kinshasa. Lutte contre le phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. Après la première vague de 350 Kuluna, une deuxième vague de 300 jeunes désœuvrés récemment arrêtés à Kinshasa a été acheminée à Kanyamakasese. C'est pour y suivre une formation paramilitaire et procéder à l'apprentissage des métiers. Regardez. Samedi 20 avril 2024, il est 8h au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Des Kuluna habillés en tenue de service national prennent place à bord de ce camion. Le tout sous le regard des membres des familles en pleurs et quelques Kinois curieux, plutôt joyeux. Destination aéroport de Njili où ils sont embarqués pour Kanyamakasese. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant de service national, occasion pour le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik d'insister sur le fait qu'il n'y aura aucun Kuluna à l'abri. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorat général qui l'antenne, de l'auditoire général soit ouvert à Kanyamakasese afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kuluna qui sont envoyés à Kanyamakasese sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Ces 300 délinquants viennent s'ajouter aux 300 autres qui ont constitué la première vague. Aux dernières nouvelles, ces derniers ont déjà pris possession de leur nouveau quartier à Mambouya. Ils vont subir une transformation avant d'être au service de la nation. Et puis la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP a organisé une réunion stratégique pour faire le point sur les enjeux politiques de l'heure, notamment la formation du gouvernement et la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au finish, l'AAAP apporte son soutien au Premier ministre Judith Toulouka et réitère sa position de la troisième force politique en République démocratique du Congo. Autour du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankouchikou, tous les leaders et ténors de la plateforme électorale et politique, Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, ont répondu présents.
Fort de ses 37 députés nationaux et en tant que troisième force politique en RDC, la plateforme AAAP a tenu à partager l'information à tous ses cadres sur la rencontre avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, mais surtout réfléchir sur les grands enjeux qui pointent à l'horizon, notamment la formation du gouvernement où elle doit être équitablement représentée, la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi l'élection des sénateurs. Dans le cadre de l'unité de notre famille politique, autour du représentant du chef de l'État, Son Excellence Tony Kankouchikou, la plateforme électorale dans son ensemble se réunit. Il s'est agi de discuter sur les enjeux de l'heure. En tant que politique, il y a des enjeux politiques, à savoir d'abord la formation du gouvernement, où tous les collègues devaient être... Ils devaient plutôt recevoir les informations dans la même compréhension. Ou aussi, on a parlé des enjeux au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et enfin, on a parlé aussi des questions sur les élections des sénateurs et des gouverneurs. À l'unisson, nous avons arrêté des stratégies selon lesquelles AAP doit s'imposer en tant que troisième force politique, non seulement au niveau de la formation du gouvernement, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale, pour que les chipotages puissent cesser et que ça soit reconnu comme tel. Nos droits, en tant que AAP concernant les ministres du gouvernement central, nos droits, en tant qu'AAP concernant un des membres du bureau de l'Assemblée nationale, pas les moindres. Tout en fustigeant certaines tentatives centrifuges, du reste illégales et anticonstitutionnelles, tentant à morceler ce méga regroupement, les hauts représentants du chef de l'État, Tony Kankouchikou, a rassuré tous les membres que la PEP AAAP a droit, en tant que troisième force politique, à tous les postes de responsabilité de manière proportionnelle. Tout en remerciant le président de la République, Félix Tshisekedi, pour le choix porté sur Judith Suminwa-Tuluka, une femme compétente et expérimentée au poste de la première ministre, la plateforme soutient la mise en œuvre de 6 axes de l'action gouvernementale présentés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son investiture. Poursuivons ce journal pendant ce temps à Bounia. Le comité dirigeant de la société minière de Kilomoto a échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Nkashamadjoni. Au centre de cette discussion, le relancement de la Sokimo dans cette région. Au sortir de cette réunion, justement, le directeur général de cette entreprise publique a donné un aperçu sur les avancées remarquables dans la relance de ses activités. Bientôt, la représentation de la société minière des Kilomoto aura ses propres bâtiments à Bounia en province de l'Ituri. Ceci pour permettre aux agents et cadres de cette entreprise de travailler dans des conditions confortables. C'est entre autres l'une des missions assignées au comité dirigeant des Sokimo depuis sa prise des fonctions. Après un échange avec le gouverneur militaire Luboya Kashama, le directeur général de la Sokimo Pistis Bonongo a d'abord présenté ses civilités avant de confirmer des avancées remarquables dès la relance de la Sokimo. Je vais tenter de vous rassurer que nous sommes à plus de 95%. Et je crois que pour certains, c'était un rêve, mais aujourd'hui, c'est vraiment effectif. Et je crois que d'ici la semaine prochaine, vous les journalistes, nous allons faire une descente sur le terrain, que vous verrez de tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, nous l'avons fait moins d'une année. Et je crois, dès la semaine prochaine, nous allons acquérir des engins miniers. Et le laboratoire aujourd'hui est déjà équipé. Et tous les travaux préalables sont déjà finis. C'est-à-dire, pour ce qui est de la relance, incessamment, je crois que nous aurons la production d'un premier lingot d'or. La construction d'un bureau de la Sokimo à Bounia pourra certes redorer l'image ternie de cette entreprise qui a efficacement contribué à son temps au développement de cette région. Durant cet entretien, le DG de la Sokimo a également posé les problèmes qui se posent, dont les concessions à délai de la Sokimo qui abrite certaines familles militaires et policiers. Pistis Bonongo dit avoir déjà mis les moteurs en marche pour trouver à chaque famille un montant forfaitaire afin que ces derniers puissent trouver des domiciles ailleurs.
Et puis, que faire pour prendre en compte les enfants déshérités victimes des conflits armés et du processus de reconstruction nationale? Cette thématique a fait l'objet d'une conférence débat organisée samedi à Goma par l'Université des Martyrs du Congo avec comme animateur principal le docteur Kasongo Mulamba André, directeur d'études et planification à l'administration des actions humanitaires et solidarité nationale. L'objectif était de conscientiser les décideurs sur le rôle que ces enfants des militaires et policiers doivent jouer pour un avenir meilleur de la RDC. Cette conférence débat a été organisée dans le but de conscientiser les décideurs sur le rôle que les jeunes étudiants, à majorité des enfants des militaires et des policiers congolais, engagés au front contre les agressions de la République, dont les terroristes du M23 et ADF, doivent jouer pour participer après leur parcours académique à la reconstruction du pays. Cette conférence débat a été au centre de discussion à l'Université des Martyrs de la RDC à Goma. Pour l'orateur du jour, Dr Kasongo Mulamba, directeur technique et planification à l'administration des actions humanitaires et solidarité nationale, l'idéal serait de penser à l'après-cursus académique. Nos étudiants de l'Université des Martyrs doivent-ils participer à la reconstruction nationale ou non? Peuvent-ils être acteurs économiques pour le développement du pays, oui ou non? Voilà, c'est autour de ce thème que nous allons développer en quelques temps. Organisé sous le thème « Que faire pour prendre en compte les enfants déshérités victimes de conflits armés au processus de la reconstruction nationale ?» Le recteur de l'Université des Martyrs, le professeur Alphonse Massandi, a salué le niveau de débat. Mes impressions sont bonnes parce que l'orateur a été à la hauteur de la tâche. Son message a été piquant, éducatif. Et la participation de la salle a été active, la salle a été animée. J'ai senti les degrés d'intervention des participants, c'est une bonne chose. Puis en dehors de nos frontières, au Togo, adopté avec 87 voix sur 87 à l'Assemblée, la nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et acte la disparition de l'élection du président de la République au suffrage direct. Elle crée aussi la fonction de président du Conseil des ministres qui concentre tout le pouvoir. Fin de l'épisode politique autour de la réforme constitutionnelle que tient le Togo depuis fin mars. Les députés ont adopté définitivement, à l'unanimité, une nouvelle constitution. Celle-ci fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et acte la disparition de l'élection du président de la République au suffrage direct. Le vote de ce jour vient entériner les aspirations profondes de nos populations à rompre avec le système classique et à doter notre nation de repères plus adaptés à l'évolution. L'histoire retiendra que la 6e législature a rendu un grand service à la nation togolaise par sa vision et sa détermination. Mais l'opposition et une partie de la société civile fustigent une démarche orchestrée afin de permettre la perpétuation d'un système. C'est une manœuvre qui a été orchestrée afin de permettre la perpétuation d'un système. Le Togo est le seul pays membre de la CEDEAO qui n'a jamais fait l'expérience. L'affaire fait déjà polémique dans l'arène politique togolaise. Les opposants qui prévoient plusieurs actions dans les jours à venir entendent saisir la justice du pays pour faire annuler cette réforme constitutionnelle. Et puis en culture, pour terminer, l'artiste chanteur congolais de la République démocratique du Congo, Ferregola, a livré un concert le samedi 20 avril 2024 dans la salle Adidas Arena d'une capacité d'accueil de 9000 places assises. Ferregola, dans une prestation de bonne facture, a été le premier artiste chanteur congolais résident à Kinshasa à jouer dans cette salle. Je vous propose de suivre un extrait de ses prestations. Les titres à présent.
La force de la SADC en pleine opération dans l'est du pays a une mission offensive, c'est ce qu'a affirmé son commandant, levant ainsi tout équivoque. Au Togo, adopté avec 87 voix sur 87 à l'Assemblée, la nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. En réaction, l'opposition dénonce une démarche visant à pérenniser le système. Et puis en culture, l'artiste-chanteur congolais de la RDC, Ferregola, a livré un concert le samedi dernier dans la salle Adidas Arena devant plus de 9000 personnes. Voilà qui met fin complètement à ce journal, mesdames, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd.